J'ai opté de faire le pilotage parce que c'était ma vocation. En tant que femme, je ne pouvais pas rester à la maison. Il n'y a pas de travail tabou. Je suis spécialisée sur Cessna 150 qui est l'avion de reconnaissance. J'ai opté pour le pilotage. D'abord, c'est un métier noble. Comme toute femme égale à l'homme, l'homme égale à la femme, capable de faire les métiers que l'homme exerce. Je me suis retrouvée dans ces domaines lors des recrutements des femmes à la force aérienne. Et je trouve que c'est un domaine qui me rend vraiment à l'aise. J'ai commencé cette formation à la base aérienne de Nouveau. Et nous sommes allés à Kamina, à l'école de pilotage avancé, et payer un sigle pour parachever notre formation. J'ai effectué plusieurs missions à plusieurs destinations, à Ndolo Njili, Ndolo Kikwiti, Ndolo Bandundu. Et puis, quand nous sommes allés au sud du pays, vers Katanga, on avait fait Kamina Kolwezi, Kamina Lubumbashi. J'ai plusieurs heures sur cet avion. Je suis commandant sur l'avion Cessna 150, qui est l'avion de reconnaissance, et capable de voler d'autres avions selon la convention. Depuis que je suis pilote, ça fait pratiquement 18 ans. Oui, j'ai suivi d'autres spécialités ici au Congo. Comme étant à l'étranger, ici au Congo, à part le pilotage, j'ai fait la formation des langues à Emela. J'ai appris à parler l'anglais là-bas. J'ai fait deux fois Chine. Je suis allée à l'université d'ingénierie de l'armée de l'air en Chine pour aller faire commande à distance. Je peux prendre un exemple comme le drone. Après, je suis encore rentrée pour aller faire le commandement des équipements de navigation aérienne. Là, je me suis spécialisée sur l'antenne TACAN. On utilise ça dans des endroits où il n'y a pas le moyen de mettre des antennes. Souvent, on utilise ça dans le porte-avions. Oui, je lance un appel patriotique à toutes les femmes du Congo de venir s'enrôler dans l'armée au sein de la force aérienne pour travailler puis prendre les commandes. Ce n'est pas seulement le pilotage, il y a aussi d'autres métiers aéronautiques. Que les femmes puissent venir s'enrôler massivement. Venez intégrer la force aérienne. Venez, suivez-nous, vos aînés. Nous avons fait les pilotages. Ce n'est pas de la magie, c'est question de discipline. Et je sais que là où vous êtes encore capable. Essayez, venez, venez servir votre nation sous les drapeaux et vous ne serez pas déçus. Vous verrez combien vous êtes capable. Moi, en tant qu'officier supérieur des FARDC, je trouve ça absurde. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas à cela parce que je suis l'exemple. Je suis ce que je suis parce que j'avais aimé. Je n'ai pas regardé de gauche à droite. Nous avons nos modèles à suivre. Dans l'armée, si tu veux être promouvoir, il ne faut pas toujours être derrière les hommes. Tu peux faire parce que nous avons aimé de faire ces métiers. C'est pour cela que nous sommes devenus capables de prendre la vie. Un homme est comme une femme. Une femme n'est comme personne qui laisse entendre toutes ces bêtises. Nous avons connu les injustices en nous traitant des êtres faibles de la part des hommes parce qu'ils se sentent trop complexés. À toutes les femmes de la République démocratique du Congo, à toutes les PMF que nous sommes et vive les femmes pilotes de la force aérienne.